Kids. Salut les copains. Salut. Ça va Milan, Vadim, Sacha? Alors on est où aujourd'hui? On est au musée de l'homme. Oui, et on y va? On va voir ce que c'est comme musée. Allez, c'est parti. Vas-y encore. Qui il nous reste? Tu veux lui? Chimpanzé mâle, mais c'est pas un squelette en vrai. Allez, cherche. Là, fais voir, elle est où? T'es sûr que c'est lui hein? C'est pas lui en haut là? Ouais, c'est lui. Allez, non. Allez, tac. L'oiseau? Ah, ça c'est une. Tu vas-y. Attention, flamant rose. Flamant rose. Bravo Vadim. Allez, on y va. C'est les cerveaux de qui? Mais de qui? De hippopotame. Tu vois? Cerveau. Chimpanzé, tiens, ça c'est chimpanzé, tu vois. Ça c'est humain. Ça c'est les langues, différentes langues. Là, c'est, il faut, qu'est-ce qu'il faut faire? Vas-y, dis-moi. Il faut appuyer. Non, il faut pas tirer. En vrai, tu vas l'arracher. Non, il faut appuyer, normalement. D'accord, bon, tirer. Tire, et après tu écoutes comment il parle. On essaie? Vas-y, fais-moi. Vas-y, on essaie lequel? Vas-y. Allez, vas-y, dis. C'est là? Attends, j'écoute. Berk. Berk. Bon, on n'attend pas très bien, mais c'est rigolo, ça. Latin, russe, basque. Ouais. Alors Sacha, qu'est-ce que tu as trouvé intéressant comme information? Une langue, il n'y a que 8 personnes dans le monde en 2015. Hein, en 2015. Oui. Qui parle. Qui parle? Oh, comment il s'appelle? Maintenant elle est éteinte. Ah, vas-y. Appuie, je vais essayer d'écouter. C'est bien ou pas? Tu veux être une 9e personne qui apprend ou pas? Ouais. Ouais. Alors après, ça, c'est quoi? Il faut appuyer sur la langue. 300 personnes, c'est ça? 300 personnes qui parlent en 2015. 300. Très intéressant. Sacha, qu'est-ce que c'est? La capacité d'apprendre à prononcer toutes les sonorités se perd avec l'âge. Bonjour, seuls les enfants peuvent apprendre à parler parfaitement n'importe quelle langue du monde. Allez, qu'est-ce que c'est, Sacha? Explique-nous. Qu'est-ce qu'ils expliquent? Le feu pour s'éclairer, aller plus loin. C'est pour s'éclairer, c'est pour. Ah ouais, c'est très intéressant. Allez. Ça lâche une odeur. L'odeur du feu. Ça lâche une odeur. C'est vrai? Là. C'est vrai, tu sens? Ah, je sens. Ça. Vas-y, essaye encore. Appuie. Je vais essayer. C'est un vrai bichon.
T'as appuyé, c'est ça c'est... Non, mais attends. T'as appuyé et ça lâche un odeur. Je vous laisse appuyer. Je vous laisse appuyer. Ressens. Là, tu vas sentir l'odeur du feu. Non, pas là. Arrête. Appuie pas sa tête. Non. T'as appuyé ? Appuie sur le bouton. Oh ouais, ça sent grave. Ça sent le barbecue, non ? Pas bon, qu'est-ce que c'est? Allez, paella, c'est un paella, ça, c'est ça? Alors, est-ce que ça sent bon le paella? Non? Bien. Allez, Sacha, tu sens quoi? Ça sent bon. Ça sent bon? Bon, voilà. Et Sacha, c'est quoi? Non, ça sent bon. Ouais. Bol de riz blanc, c'est un bol de riz. Ça sent bon. Sacha, il aime pas comment ça sent le bol de riz. On voit la tour Eiffel, Milan. Oui, regardez. Magnifique. Wow, il y a des voitures. Alors Vadim, t'as choisi? C'est qui t'a... Ah, oh, regarde les petites filles, écoute. Vas-y, happy. On regarde, qu'est-ce qu'il va te dire de vous? Coucou, t'as vu? Ah, coucou, il a dit coucou. Allez, on va chercher Milan maintenant. Nous a enregistré une histoire dans le cabane comme ça, hein? Et maintenant c'est Sacha qui va nous enregistrer un message pour les futurs visiteurs, futures personnes qui visitent cette musée. Alors Milan, tu t'es trouvé? Vas-y. Bonjour, je m'appelle Milan. Je voudrais dire que moi je m'appelle. Je voulais vous raconter une histoire. Un jour, il était une petite fille qui était un arc-en-ciel. Elle était une arc-en-ciel qui chantait la chanson d'arc-en-ciel. Ah, et ça, c'est Sacha. Alors, moi, je pense vraiment que il va avoir un problème. Alors, allez les copains, c'est fini? On a passé dans la boutique du musée pour voir des choses. Sacha, je vous attends là. Allez, ça y est, on a fini. Sacha, vous venez? C'est la fin. Attendez, dites-moi de quelques mots. Alors, ça vous a plu? Oui. Oui, qu'est-ce que vous avez vu de bien? Qu'est-ce que tu as vu, Sacha? Des trucs de la préhistoire. Préhistoire? Qu'est-ce que tu as vu, Milan? Moi, c'est des squelettes. Des squelettes? Oui, vas-y, mais il a vu des squelettes. L'éléphant qui est mort. L'éléphant qui est mort, oui. Moi, j'aimais tout. Tout. Non, moi, bon, qu'est-ce qu'on dit? Oui, tout. Qu'est-ce qu'on dit aux copains et copines? Au revoir les copains. Mettez un gros pouce bleu. Les copines, mettez surtout un gros pouce bleu. Oui. Abonnez-vous, n'oubliez pas la cloche sur la vidéo. Allez, au revoir.